La grosse actualité, la semaine prochaine, ce sera le Rallye de France. Alors, on parle toujours des Sébastien Loeb, des Ogier, de ces grands pilotes soutenus par des équipes d'usine, un petit peu moins des anonymes et encore moins des Alsaciens. 24 équipages engagés, dont Jérôme, qui est notre invité aujourd'hui. Jérôme Kircher, c'est le combientième rallye que vous allez faire au total ? Vous allez rire, c'est le sixième seulement. Donc tout jeune pilote. Tout jeune dans cette discipline, ouais. Ouais, vous avez quel âge ? 35. Donc vous allez vous frotter à des grands pilotes ? Oui, alors concrètement, j'ai pas la prétention de me frotter à eux. Ouais. Par contre, on va se mesurer aux autres pilotes alsaciens. On est 24 au total, donc ça va être plutôt sympa, ça. Alors quand vous voyez ces images où ça va très vite, ce sont les routes que vous allez emprunter. L'année dernière, ça, ouais. Vous êtes prêt ? Bah oui. On verra bien. Comment on se prépare à un rallye comme ça ? Comment on se prépare ? C'est une question difficile. En faisant des petits rallyes régionaux, nationaux, et puis en essayant de au fur et à mesure acquérir certaines compétences, on va dire, ou une certaine habitude. Maintenant, c'est vrai que c'est ma première année, donc ça fait quand même pas beaucoup de rallyes derrière moi. Trois rallyes de course de côte, après on verra ce que ça donne. Bon, vous avez sauté le pas. Quel est votre métier ? Je suis dentiste. Ouais, donc ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. C'est le dentiste qui a envie de s'éclater et d'aller... C'est un peu ça, ouais. Je suis passionné d'automobile depuis mon plus jeune âge. Ouais. Et puis de fil en aiguille, c'est toujours pareil. On veut toujours plus, donc on finit par chercher un petit peu au-dessus. Et puis je suis arrivé dans le rallye cette année. Alors comment justement, quand on est pilote amateur, on décide de s'engager dans un rallye mondial ? Comment disons que ça m'est venu l'année dernière, cette idée. J'avais des amis qui le faisaient, qui m'ont dit écoute, c'est sympa, il faudra peut-être essayer. Je me suis dit pourquoi pas moi. Et j'ai sauté le pas. Après, comment faire je me suis posé la question, justement, j'avais pas d'expérience. Alors, j'ai acheté une petite voiture en catégorie la plus basse possible. Là, on est en train de découvrir la nouvelle voiture. Ça, c'est la nouvelle, ouais. Ça, c'est la nouvelle qu'on a louée pour l'occasion. Et puis, au fur et à mesure, on s'entraîne, on fait des petits rallyes régionaux, mais sauf que dans un rallye régional, il y a 40 km d'épreuves chronométrées, pardon. Au rallye de France, il y en a 300. Donc, ça change un petit peu, ouais. C'est pas la même échelle. Alors, c'est un équipage, un rallye, hein. C'est vous c'est et un équipage. Copilote. On est deux, ouais. Voilà. Qui va vous seconder? Alors, Vincent Forzinetti, c'est mon copilote, que j'ai rencontré grâce à l'ASA. Il y a des amis communs qui m'ont orienté vers lui, qui, lui, est copilote depuis 3 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Donc, il a finalement plus d'expérience que moi dans cette discipline. C'est lui qui vous pousse dans la voiture, c'est lui qui accélère. Pousse. Exactement, exactement. Non, mais il est très bon. Outre annoncer les notes, il arrive à me dire voilà, attention, un peu moins vite, un peu plus vite, on peut y aller, etc. Il me remotive. Parce que mine de rien, il y a des spéciales qui sont quand même très longues. On a fait ce printemps, le rallye de Lorraine qui fait quand même 140 km, donc c'est la moitié du rallye de France. Et puis pendant une spéciale, on peut un peu se démotiver, on peut un peu perdre le fil, on va dire. Ouais. Et lui, non, il est toujours à fond, il est là, il me remotive. Allez, on accélère. Allez, on y va, t'as rien perdu. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors, on va voir en photo, là, de votre automobile, votre oui. voiture de rallye. Elle vient d'arriver. Les partenaires, il en faut. Ça, c'est le nerf de la guerre. Il en faut. Vous avez demandé d'être avec vous. C'est aussi le soutien que notre télé régionale voulait vous donner. Merci. Comment est-ce qu'on finance un rallye comme ça? Ça coûte cher. Eh bien justement, par les partenaires. Alors j'ai la chance d'avoir des amis d'enfance qui ont des entreprises dans la région de Colmar, qui m'ont suivi, que ce soit Polymix, CVA, enfin différentes boîtes. Ouais, qu'on voit. Ouais, voilà, d'autres partenaires qui donc sont c'est sur quoi, Strasbourg. C'est quoi, c'est 1 000 euros par-ci, 500 euros par-là? C'est ça, c'est 200, 300, 500. Voilà, moi c'est des petites sommes. J'ai vu CroisiEurope. Hein. CroisiEurope qui m'a suivi, le Paradis des Sources, que je connais pas non plus, qui m'a suivi. D'accord. Mon préparateur automobile, Jérôme, vous avez une question d'enfer pour la semaine prochaine. Ah ben, faut pas que je me plante. La voiture du Paradis des Sources dans un arbre, ça le fait pas. Ça le fera pas, ça fera pas de très cabaret, ouais. Non, évidemment, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, on reverra l'automobile et on espère, voilà, s'il y a des partenaires qui ont encore envie de soutenir les pilotes alsaciens, eh bien, surtout, n'hésitez pas.